Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour le... Donc on est dimanche matin, et donc maintenant un dimanche sur deux seulement, mais un dimanche sur deux, on aura le contre-la-montre par équipe, de l'équipe RGT France, sur RGT. Et donc on retrouve aujourd'hui Christophe Mathieu, qui vient régulièrement aussi sur les Omniums, mais qui va se tester un peu sur le contre-la-montre par équipe, et Monsieur Zapata. Et normalement il y a aussi Joël, mais... Joël, il va faire l'échauffement sur Borrego jusqu'à la dernière minute, parce que si c'est pas sur Strava, ça compte pas. Et que si tu t'échauffes ici dans le sas d'entraînement, ça ne compte pas dans tes stats. C'est déduit à la fin. Alors, on va se mettre sur le salon et on va les rejoindre. Bonjour. Salut. Salut. Ça va, ça va, ça va. Réveil un peu difficile, mais ça va. Salut, j'ai pas loupé l'heure. Ouais, ça a failli être moi. Ça va, tu nous as fait une petite blague, hein, mais bon. Ouvrez au rythme du jazz à Albi. Il y a forcément un hôtel Kyriade pour vous. Et pour votre prochain voyage, Kyriade vous offre. Ça va, c'est relativement plein aujourd'hui. Ouais, il y a une petite bosse au milieu quand même, donc à chaque fois il faut faire gaffe. Ouais, pas les boss. Ça va être très dur pour moi. Du coup, c'est quoi le niveau des uns et des autres? Je peux commencer si vous voulez. Moi, j'ai une FTP à 250, donc et je suis assez lourd. FTP à... Après, ça fait longtemps que je peux rouler, mais FTP à 260 théoriquement pour 80 kg. Ok, donc quasiment similaire. Joël, il est meilleur que nous, il a une FTP à... C'est combien? 290? Ouais, 280 max en ce moment. Vraiment max. Ok.
Pas de soucis. Et le deuxième Christophe ? Bah, moi je suis aux environs de 300, 3,6 watts. Ok. 85 kilos. On va trouver celui qui va tirer le groupe. Ouais, bah déjà, c'est ça, sur le plat, ouais. Je vais découvrir comment ça se passe avant. Alors du coup, je sais pas si tu nous as déjà vu rouler, généralement on se cale sur un côté de la route, ouais. En file indienne, on désactive le steering, automatique en tout cas, et on... Il y a juste quand on passe les relais qu'on donne deux coups de steering. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi il veut pas se connecter. Je t'ai vu pendant deux secondes. Ouais, je suis là. Non, c'est le steering qui va se connecter, je crois. Je suis bien. Tu t'es dit que t'as 300 de FTP pour combien de kilos à peu près? 85. D'accord. Ouais, donc ça revient à peu près comme moi, quoi, je pense. Dans la bosse, il sera. Ouais, ça sera pareil, mais sur le plat, Christophe va plus nous tirer. Sur le plat, oui, c'est différent, mais. Mais au global, ça sera comme moi, quoi. Voilà, Christophe, vous pouvez m'appeler Mathieu, hein, si vous voulez. Ça plus simple. Je dis, j'ai fait un chrono de 23 minutes à 300 de moyenne. Ah, c'est bien. Solide. Je suis là sur l'Omnium, tu t'es fort hein, sur les parcours plats. Déjà, faut que je m'habitue au draft et etc. Donc. Ouais, il est pas beaucoup plus lourd que nous. Hein. D'habitude, quoi, il y a peut-être, je sais pas, Vincent, Antoine, Joël, qui font tous maxi 65 kilos, ok. Mais là, on fait 80 kilos tous. Bah, sauf Joël, du coup. Ouais, c'est incroyable, je suis le léger de la bande. C'est la première fois que ça m'arrive. Et alors du coup, généralement, Joël prend le départ devant. Et après, on alterne faible et fort. Du coup, je peux me mettre derrière Joël. Christophe, du coup, Zapata. Ça serait bien que tu te mettes en troisième et puis Christophe Mathieu en quatrième, un truc comme ça. Ok. Mais encore, parce que je t'entends crépiter un peu. Je sais pas si c'est je le sais d'entendre comme ça, mais... Ok, pardon. Je vais éviter de pédaler du coup quand je cause. Du coup, dans l'ordre, Joël, moi, ouais. Zapata, et puis Mathieu. Ça marche. N'oubliez pas de diminuer votre résistance, votre traîneur difficulté. Pour passer la bosse sur le plateau. Je suis à 30, moi. Ouais, déjà, et puis... comment dire, de... Que ça fasse moins d'un coup en fait quand vous êtes devant, que ce soit plus facile, ouais, de prendre votre roue. Ouais, c'est surtout dans les montées, si t'as un traîneur en difficulté important, t'es obligé de mettre des watts. Et n'hésitez pas à vous mettre carrément à 30%, hein, c'est pas un problème. On se met côté gauche de la route. Côté gauche, ou côté gauche. Bon, c'est une chance sur deux, de hein, toute façon. Et après, généralement, bah, Mathieu et moi. On va faire 30 secondes, je pense, les relais. Et puis vous avez 45 secondes ou une minute, ça dépend. Vous faites comme vous voulez. Si mon steering marche pas au clavier, c'est les flèches pour... QED. QED. D'accord. Comme il n'y a pas beaucoup à y toucher... Exactement, c'est même le plus simple, je pense. En contrôlement de par équipe, ouais. Tu fais deux à coups, ça suffit pour te décaler, pour laisser passer les autres. Et en plus, quand les autres sont en train de passer, ça te redonne le draft vu que t'es juste à côté. Ok. Ah, ça attends, c'est bien. Le troisième qui prend le plus de draft dans le groupe. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, Joël a parlé, elle et moi on a parlé en même temps donc. C'est le troisième qui prend le plus de draft. Semblerait. Je disais juste que ça va faire du bien, un petit effort intense. Ouais, alors attention, 15 secondes. Par contre, dans la bosse, c'est... Généralement, c'est moi qui ou Mathieu qui vont... On va essayer de le mettre devant, comme ça on est sûr de pas être lâché. Ok. 1 seconde. Parfait. Et à gauche. À gauche. Il va se passer devant. Bon,
et c'est elle pour regarder derrière. Allez, merde. J'ai détecté mon auto-avoidance, c'est bon. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, il partait fort. Bah, hésite pas à dire, hein, si t'es lâché. Il va recoller. Ouais, c'est bon. Pont d'Avignon, faire la fuite de Val de Vince, Donnerberg, ou vivre dans la rue de Zali, forcément de vous. Je pensais la jouer à la première personne d'ailleurs pour ce type d'effort. Allez, une 45. Et réservation sur... Allez. Vraiment couler les fesses de l'autre. Hein. Allez, je fais 2,30. Ok. Voilà, voilà. Et replace-toi tranquillement. S, Joël, pour enlever le Toy Avoidance. Putain! Con là, il suit! Allez, je passe devant. Je pars à l'extérieur. Bon, merci. Ah, extérieur, ok. Jusqu'à quelle minute? Bah, 3:15. Et on va se concentrer. Je passe avant d'énergie sur les relais derrière. On est quand même mieux derrière que devant. 150 watts économisés. Ah, si on te redescend, plus ça va vite, plus on sauve le draft. Allez, jusqu'à 4:20. 4:20, ok. Le meilleur draft, c'est quand le chiffre en rouge en haut, il clignote. Apparemment, avec ta vue première personne, c'est beaucoup plus facile pour moi de suivre. Si c'est rouge tout le temps, c'est que tu pousses trop. Si c'est blanc, c'est que t'es en train de te faire lâcher. Attention, et Christophe qui est un peu derrière. C'est bon. Putain, il décale ce con-là. Appuie sur S jusqu'à ce que ce soit écrit Auto Avoidance Off. Off, comme ça tu... Ouais. T'as plus besoin de t'en occuper. Allez, je pousse jusqu'à 5 minutes. 5 minutes, ok. Putain, je suis 400 watts derrière, j'ai eu pas d'or. Pas possible. T'as vraiment saoulé en fait. Au début, je suis d'accord, c'est compliqué hein, quand tu connais pas exactement comment ça marche. Ah, bon, tu veux 5:45, allez. Ouais.
sort, les gars. Ouais, mais... J'ai pris un... Allez, on va sort. Ah, c'est bon. T'inquiète, il faut s'habituer, c'est normal. Je préfère être devant le derrière. Je prends le temps quand même. J'ai faim jusqu'à 6, c'est le temps que tout le monde reprenne son souffle. Putain. Là, je suis à gauche. C'est pas grave, remets-toi à gauche. Putain, mais c'est pas vrai. Il est con ou quoi? C'est parce qu'il y a l'auto-évitement. Ça va direct, c'est l'auto-évitement. Bah ça, soit tu as une sensibilité légèrement trop élevée. Sauf si tu es au calier, bien sûr. Et attention, stop. Je vais te faire lâcher là, t'as un trou. Donc tu rentres tout de suite, c'est bon. Putain. Ah, ça va, c'est vite. Ouais, faut que t'enlèves le... Si t'as le steering sur le téléphone, faut que t'appuies sur OFF tout en haut. Appuie OFF sur ton téléphone. Prends le temps de le faire, ça sera mieux. OFF sur ton téléphone, et tu désactives le truc. Je suis sorti de l'appli. Ok, ok, parfait. Petit à petit, attention. C'est devant. Ok. Mathieu et moi, attention, ça monte un petit peu, donc moins de draft. C'est là qu'il peut serrer les dents pour nous. C'était quoi, à fond? T'as quoi le 8-20, c'est ça? Là, il faut pas que tu lâches la roue. Hein. Vraiment, tu te vas tout le temps coller dans la roue. Parce que plus tu vas lâcher la roue, plus ça va être pire. Voilà. Après, ça court bien, pour les gros diamants, je te rappelle assez bien. Tu ralentis complètement tes boîtes et tu restes à la même distance. Et là, tranquille, tu gardes la distance, pas besoin de mettre trop. Tu me suis. Allez, tu me colles. Fais jusqu'au pied du jaune, jaune rouge là, et puis Mathieu, tu feras la montée. Je vais me lâcher le canal, et tu fais un effort constant en fait, si possible. Voilà, je ferai la montée. Attends, je remonte un petit peu parce que je vois qu'il y a la patate qui est un peu lâchée. Je suis autant à 300 derrière que devant, je peux pas. J'ai relevé un peu le pied. Ah, vas-y. Je vais juste devant toi. Garde ma roue. Voilà. Garde ma roue. Mathieu, on va faire la montée à deux. Je vais me remettre dans ta roue. Ok. Parce que normalement, ils sont plus forts les deux derrière, donc Joël peut tirer ta pata. Dès que Christophe il aura trouvé son draft, il sera plus fort de toute façon. Vas-y, lâche le draft. Ok, là c'est pas mal. Il faut rester comme ça. Je te dis si le rythme est ok pour toi ou pas. Si tu peux recoller à gauche, s'il te plaît. Il revient bien là. Merci. Ah. De toute façon, ça monte bien. Allez, dans les roues, ça va le faire. Avancez. Allez, 500 mètres à bien souffrir et après, dans la descente, on va tous souffler. Ouais,
c'est la montée, je pense. Hein. C'est bien là. La seule difficulté. Ah, mais tu m'en veux. Si tu veux lâcher, tu peux. Ouais, je monte au sport et je lâche après. J'ai arrêté tout. Voilà. Bon, c'est un vrai. Allez, je prends jusqu'à 11:30. Si j'ai tenu bon, c'est surtout grâce à Tabac Info Service. Au 3989, un tabacologue m'accompagne. Tu peux sauter ton volet si tu veux revenir dans le aussi. T'inquiète, t'inquiète. C'est quand même mieux d'être accompagné. Appelez le 3989 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Un appui plus privé. Un message du ministère chargé de la santé, de la sécurité et de santé. Okay. C'est là, c'est plus franche. Pour Zapata, du coup, quand je lâche mon relais, je suis à 200 watts, je laisse les autres passer tranquillement. Et quand je vois dans le classement à gauche que mon avatar est derrière le dernier, je commence à bourriner à gauche. Ouais, mais je fais, mais après, j'ai toujours un trou. Ah, c'est une question de pratique, en vrai. Ouais, c'est bien, hein. Bon, c'est le même rythme. Et oui, il faudrait accélérer un tout petit peu pour reprendre les roues, effectivement. Donc, je vois, il pousse même quasiment 50 kilos, à 4 millions, lâche. Voilà, on est pas mal là. Allez, on a un bon rythme là. On est à 44. On est presque à la moitié. La moitié. Tard. Niveau fraîcheur, vous êtes comment Moi, pas frais. Hein. Moi, je peux finir à ce rythme là, mais pas beaucoup plus. Ça sent bizarrement bien ce matin, mais à voir ce que ça donne. C'est pour savoir s'il y en a un des quatre qui va péter. Il y en a un, qui est... un des quatre qui peut péter, mais pas deux. Bah moi, c'est vrai, il y a un point. Personne pète. Normalement, tourner, comme ça, je reprends en derrière. 30. 30. Ok. Ça remonte de nouveau. Ouais, c'est bien. Ça, c'est parfait. Allez, faut plein montant, c'est parfait. Ouais, doucement. J'attends tout de suite avant de remettre ça. T'as rien ? Vous me dites quand on va être dans la roue. On accélère pour kiffer mon masque. Vas-y. Là, c'est bon, il est revenu. Doucement. C'est bon. Voilà. Il y a moins de droits d'aller monter en plus. Ah, je suis à 300 watts pour rester collé. D'aller monter, il n'y a plus l'endroit, mais ça fait bizarre quand même. Après, je suis à 270 aussi. Hein. Un peu plus lourd. Dans la montée, c'est possible. Dans la descente, normalement, t'es censé beaucoup récupérer. Ah, je vais jusqu'à 15:30. Soit ça, soit tu me laisses la deuxième moitié de la montée. Ouais, ça sera à peu près ça. Ah ouais. 15-15, allez, comme ça c'est la seconde moitié. Allez, jusqu'à 16-15. À la montée, de toute façon, début de descente.
Attention aux cassures. C'est bon, je reviens, t'inquiète. Ah, ça descend. Relâche maintenant si tu veux, Thomas, pour reposer au max. Ça marche, je lâche. Allez, jusqu'à 17. Oh, Toto, t'es trop gros, tu vas te... T'inquiète. J'attends que ça dépasse. Alors, de la part, je vois, il a été nul, là. Moi, derrière, je suis à 1,5. Quel plaisir. Allez, je te raplatis, il faut repousser. Plus qu'un tir, les gars. Allez, je lâche. Allez, beau plat descendant jusqu'au bout. Ah, donc si, on peut changer la caméra. Et ben voilà, parfait, ça. Allez, c'est 7-8 minutes d'effort à fond. Moi, je tiendrai jusqu'au bout. Donc, Mathieu ou Zapata, s'il y en a un des deux qui va péter, c'est pas grave. Mais pas les deux. Ah, vas-y, tu vas péter, toi. J'ai dit non. Ok. 18-15. Oh. Oh, ça va, je pense, mais ça, si ça exerce fort d'un coup, oui, forcément, je risque. Donc on peut vraiment pousser plus alors du coup, bah plus ou à fond quoi. Classique, éventuel, romantique ou carrément électrique. Quel que soit votre type de vacances, Kyrian, 20% de réduction sur votre séjour de 3 nuits ou plus dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvrir, c'est trop bon immédiatement. Réservation sur kyriat.com. Là je pense que c'est bien, tu vas pas perdre le bras. Ouais. Allez, vu que je pousse un petit peu plus dans le relais. Allez, recolle-toi à gauche tout de suite. Là, tu peux. Non. Allez. Ouais. Sorry. Ah ouais, jusqu'en 19h30. Je déconne, je suis... Ça marche, 20h30 pour moi. Ouais, bon, je reconnais, mais tu vas avoir un coup. Ouais, fais-le sur un peu de clair. C'est bon. Je vais prendre 39 de moyenne. Je vais 39 de vie. 38. Ok, va bien.
21 sont. Ah, allez, 4 minutes à pompe. Je lâche. Je vais là-haut. Allez, le temps est pris sur le troisième, donc on peut se sacrifier. Moi, je vais me faire côté avant le dernier. Je vais à fond jusqu'à ce que j'en fasse plus, ok? Ah, moi, je pourrais pas tenir. Ah! Mais je vais prendre le retard, mais bon, reste comme ça, je vais faire deux minutes. C'est que c'est trop facile. Allez, on appuie. Tu me dis quand tu lâches ça, hein, comme ça, je me. Ouais. Ah, ouais. Ah. Oh, bien, boss. J'essaie. Parti. Et après on fait des bursts de 30 secondes, Mathieu. Ouais, ok. Et de toute façon, ah, parce que là on s'est bien reposé dans la roue, donc on peut y aller à fond. Allez, vas-y. On prend la suite comme ça, on a pu se reposer. Bientôt la flamme rouge. Ah, ah oui, il est. J'y vais. Allez. Merci, super effort. Merci. Oh putain. Ma verse. Allez, 300 mètres chacun. Ok, je lâche. Ok, 24-30. Allez, passe, laisse pas le trou. Ah, t'es demandé. C'est déjà joué. Allez. Allez, allez, touche pas. Ah. Ah. Préfériez danser. Allez. Faire la fête au cœur de l'église de Dunkerque. Tout en train de jaser. Il y a forcément un hôtel pour vous. Et pour votre prochain voyage, Kyriad vous offre 20% de réduction sur un jour de 3 nuits ou plus dans le. Allez, on descend un pignon. Allez, ça descend, les gars. Ah, mon Dieu. Bien joué, ouais. Ah, je suis mort.
On est tous morts. Le kilomètre va plus vite. Ah, bien joué. Et désolé pour la com si je parlais beaucoup, mais... Vous avez le droit de dire ta gueule si je parle trop. Non, non. Non, je me dis, si on a le temps de dire, on va lâcher, ça veut dire qu'on peut encore y aller. Ah la vache. Ouais. Moi je peux t'assurer que j'avais pas envie de dire que je vais lâcher. J'avais plutôt envie de serrer les dents. Ah, moi, c'est parti un poil trop vite pour moi. Je pense que t'as pas vu dans la radio au début. T'as eu du mal à faire le steering, ça t'a fait mal. Ça t'a fait très mal, ça je pense. En fait, les deux premiers relais, j'avais zéro draft sauf avant de reprendre le relais. Ah ouais. Non mais en vrai tu peux perdre facile 3-0-3-0-4-4 kg sur tout le contre la montre si tu loupes le premier. Ah c'est ça qui t'a pénalisé beaucoup hein, c'est sûr. Ouais. T'es une frayeur en fait, c'était vraiment dans la roue, tu gagnes 150 watts tout le temps quoi. Ah ouais, mais même après j'étais trop fort dans les roues, j'étais trop fort donc Ouais. Je voyais en rouge souvent, il faut vraiment trouver le. Ouais. Après c'est question d'habitude. Ouais, bah oui, je manque d'habitude chez vous. Sur Zwift, j'y arrive mieux, mais. 260 watts sur 25 minutes, c'est bien. C'est difficile de faire mieux, hein. Il n'y a pas eu de temps perdu ou quoi, hein. Moi, je suis arrivé complètement cramé. La moyenne de watts, c'est quasiment ma FTP. Bon, et puis. Ah, c'est 10 watts au-dessus de ma FTP pendant 5 minutes de plus, donc c'est bien. Ah, tu vois, moi, je suis un peu en dessous. Hein. J'ai fait que 267 et pourtant, je suis cramé. Là, quand je te disais que en ce moment, je suis plus bas. Hein. Ouais, mais en plus, moi j'ai fait une course de vélo hier soir donc. Par curiosité, du coup, ça te fait combien de watts là, Christophe? Parce que je suis sûr que t'en mets beaucoup trop. Regarde. Je sais pas. Et faut sortir pour voir. Ouais. Ouais, quand tu cliques sur End Ride. Mais d'ailleurs, il faut mettre le petit toggle en vert pour que ça parte sur Strava. Sinon, ça compte pas. Bah, si, tu peux aller dans les menus pour le faire manuellement, mais. Tu as 260 watts de moyenne, même avec le dernier plus de, le dernier. Avec les derniers kilomètres sans pousser. Ouais. Tu as un IF2. 1,07. Non mais ça va, c'était sympa. Du coup, ça t'a plu quand même ou... je m'en doutais hein, que j'allais. Le départ allait être très difficile. Et puis moi, sur les chronos individuels, j'ai plutôt tendance à partir en négative split, donc je pars à peu près tranquille. Je pars fort, mais je pars fort que dans les bosses. Après, sinon, je reste en dessous de FTP largement. Moi, moi cible, c'est 300 et je pars entre 270 et 280. Et là, j'étais au-dessus de 320 même dans les roues, donc. Même, c'est vrai qu'en plus, en contre-la-montre par équipe, c'est plus du over-under où t'arrêtes pas d'être au-dessus de la FTP puis en dessous normalement pour te reposer plutôt que la FTP. Ouais, non, mais j'étais vraiment au-dessus là, tous les premiers relais jusqu'à temps que je prenne le relais, j'étais entre 300, 400. Donc, histoire d'être bien en forme pour la fin du contre-la-montre. Mais t'as bien tenu, hein. Ouais, et puis bon, la course d'hier, ça, j'avais encore un petit peu dans les pattes, mais. Bon, du coup, par rapport aux autres équipes, je sais plus. Je sais qu'il y a une équipe qui a fait 25 et des poussières. Et je sais pas si les poussières c'est plus que 25 ou pas. Mais bon, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout, mais bon, déjà le faux plat là, j'étais. Non, mais ça, à la limite, même tu sais, on le fait exprès même quand on est 4 ou 5. Genre de pousser un dernier relais kamikaze et d'exploser. Bah, moi, tu vois, là, j'étais entre 300 et 320 sur le dernier relais, là, sur le faux plat, et là, je suis bien. Je suis à mes allures. Bon, après, je toxinais parce que j'étais fatigué, mais j'étais dans mes allures. Je suis pas là, j'arrive à gérer l'effort. Et dès que ça varie trop, c'est compliqué. Le mieux, c'est je te conseille un petit contre-la-montre avec Jérémy. Joël et un autre léger avec des côtes où tu dois pousser 400-450 watts
dans les montées pour tenir la roue par kilo. Du coup, tu passes. Non seulement tu passes pas les relais, mais en plus t'es en train de te flinguer la batterie. Je dis sur le contre-la-montre, il y avait deux petites bosses. Et les deux petites bosses, je fais 30 secondes à 450 watts. C'est pas un problème. Et c'est. Ouais, après, c'est juste que ça flingue la récup. Dans la descente, je récupère et. Voilà, c'est la gestion d'effort, quoi. Quand t'arrives pas à récupérer, c'est compliqué. Ah bah en équipe, ouais, comme ça tourne, des fois les relais arrivent pas quand tu veux. Quand t'as pas de chance, c'est que tous tes relais sont dans les descentes. Et c'était sympa, j'irai publier les résultats de la team, du coup, et puis j'essaierai de regarder combien les autres ont fait pour avoir une idée. Non, mais... C'est bien, mais bon, c'est... Pour une première, c'est compliqué. Ah, c'est le format le plus difficile, je trouve. Parce qu'en plus, tu veux pas lâcher parce que c'est l'équipe. Quand j'avais fait un petit bout d'omium, là, j'ai vu que le draft, c'était pas facile. Le format le plus difficile, c'est quand t'as la même chose, mais sur 25 km. Ah, l'autre fois, là, contre la montre de 45 km, c'était ignoble. On était que 3 en plus, interdit de lâcher. Là, t'en chies. Je sais plus, on a mis combien ? 47 ? 50 minutes ? 50 minutes à serrer les dents ? Ouais, je crois, ouais. On était avec Benjamin, je crois. C'était Benjamin ou c'était Jérémy ? Non, c'était toi et Jérémy. Non, c'était Benjamin. Ah, il me semble. Ou alors je déconne. Je suis 99% sûr que c'était la potence, Jérémy. Ah merde, ça fait trop de pourcents contre moi, ça. Justement, parce que l'écart de niveau était insane. Peut-être, ouais. Dans le dernier relais que j'ai loupé, il m'a démonté. Bon, du coup. Mais en fait, il faut vraiment que vous colliez les. Le stream, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Le petit réveil le dimanche matin. Vous bourrinez la tête. Et puis on se revoit au moins mercredi, si pas avant. Allez, chouchou, bonne journée, portez-vous bien, bonne santé, et comme d'habitude, restez curieux. Je me repose tout le temps, quoi.